celui-là est vraiment... vraiment trippant comme jeu. J'ai jamais vu un ramassis de tarés pareil. Et c'est que ça que je vais être obligé de faire quoi? La guerre. On est foutus! Ça te fait rire, couille de l'eau? Ah bon, sinon je peux t'imiter Bourville. Diabo! Ça n'a pas envie de tenir. Un tas d'îles sans intérêt, perdu au milieu de rien. Alors, pourquoi on y va? Parce qu'elle regorge de truffes. Vous croyez qu'une oursine? La truffe, c'est la force du port. Qui contrôle la truffe, contrôle le monde. Ça veut dire quoi? C'est débile. C'est pas débile, c'est la guerre. Un soldat, c'est fait pour faire la guerre. Pour avoir des truffes, pour avoir la plus grosse, pour être... Mais on s'égare. Voilà, nous allons regarder ensemble et des petits films très bien fichus pour mieux comprendre les enjeux de cette guerre. Et bien, top, Magneto. Le jeu, il fait un peu penser à Worms. C'est des cochons qui se battent. Mais les commentaires du colonel, ils sont vraiment terribles. Je vous laisse écouter. C'est sur PlayStation 1. Cochon de guerre. Pareil que celui-là est très difficile à trouver. Hein. Easy Cash. Très difficile à trouver. Bah, bonne chance. Si bienvenue au camp d'entraînement, Bleu-Bit. Crois-moi, quand tu sortiras d'ici, tu seras une véritable machine de guerre. Allez, bouge ton cul. Suis le chemin vert et ramasse ta première arme en passant sur la caisse exécution. Les bonus sont indiqués par un point marron sur la mini-carte. Épaule en arrière, ventre rentré, regard volontaire, et sors-toi du bas douche-passe. Mais qu'est-ce que tu m'as envoyé? Mais les commentaires. Appuie sur la touche cercle pour afficher le menu arme. Exécution. Appuie sur la touche croix. La baïonnette, c'est efficace qu'à bout portant. Conclusion, on s'approche de la cible et on la plante en appuyant sur la touche. Bon travail, soldat. Suis le chemin jaune jusqu'au champ de tir et ramasse ton nouvel équipement. Demi-tour en gauche. Sors ton fusil en utilisant une arme. Exécution. Le fusil normal. Tire une seule balle en ligne droite. Appuie sur la touche L1 pour avoir le viseur. Vise ta cible avec les touches directionnelles prévues à cet effet et appuie sur la touche croix pour tirer. Descends les deux cibles et on continue. Feu! For the Dagger Brothers! Bien joué, couille de loup! Avec la prochaine arme, tu peux viser les cibles d'un moustique à 40 mètres. Alors ramasse ce fusil de tir. Attention, briefing! Le principe de base de cette arme est le même que pour le fusil normal, sauf que il vise automatiquement. Compris? Et plus tu restes en zoom, moins le tir est précis. Bon, on descend les deux cibles à deux ailes. Exécution! Toi, c'est ton dernier match!
Bien joué! Maintenant, tu es apte à quelque chose de plus explosif. Suis le chemin rouge jusqu'au champ de tir spécial grenade et ramasse ton nouvel équipement. En avant la manœuvre, couille de loup! Voilà. Bon, la grenade. C'est un peu plus compliqué pour tes petits pieds de porc, alors on reste vigilant. Appuie sur la touche croix et maintiens-la enfoncée pour régler la puissance à l'aide de l'indicateur adéquat situé en bas de l'écran. Rappuie sur la touche croix pour faire exploser la grenade. N'oublie pas, plus de puissance égale plus de distance. Exécution dans les lieux. Les commentaires. Where are the champions? Putain de boulot. Maintenant, suis le chemin bleu autour de l'eau pour un entraînement secret. Allez, on sera bolis là. Attention, les grenades sont plus puissantes qu'elles n'en ont l'air. Conclusion, quand tu en sors une, choisis un angle plat avec la touche R2 et avec beaucoup de puissance. Elle ricochera sur l'eau comme une pierre. Et on ne tombe pas dans l'eau ici, c'est pas le club, mec, couille de loup. Une autre bière pour Manchester. Non mais les commentaires. Ah, t'as fait deux fois que je le lis, mais... Toi, t'es souvent entraîné. Magnifique lancer, la bleusaille. Maintenant, un peu d'exercice. Suis le chemin violet et grimpe au-dessus de la porte. Et descends le frein, mais nom de Dieu, exécution. Essaie de te concentrer, tête de l'heure. Tu passes le pont là-bas. Tu te mets bien en face, tu prends un peu d'élan et tu appuies sur la touche carré pour sauter au-dessus du trou. Essaie de ne pas te mouiller plus que tu ne l'es déjà, tête de harangue. C'est bien. T'as compris comment ramasser les points de vie. T'en auras besoin si tu traverses l'un de ces champs de mine. Une proche de l'ennemi est une bonne tactique car il s'en sort rarement en un seul morceau. Alors, on repère les zones rouges sur les mini-cartes et on les évite. Maintenant, suis le chemin battu sans jouer au con et ramasse la caisse de l'autre côté. Exécution. Félicitations, mon cochon! Tu viens juste de ramasser une charge de TNT! Ça peut faire de sacrés dégâts! Alors fais bien attention! Objectif, destruction de la porte de cette maison. Et sélectionne le TNT et place la charge en appuyant sur la touche croix. T'as 5 secondes. Voilà une porte qui grincera plus, grenadier! Maintenant, regarde dans le bâtiment pour voir ce que tu peux y trouver. Exécution! Qu'est-ce que tu dirais d'un petit remontant? T'es plus un porc soleil, t'es un porc maintenant. Allez, assez lambiné. On se dirige vers l'abri de l'autre côté du champ de mine pour de nouvelles instructions. Et gare à ton groin. C'est pratique, un abri pour trouillard. Un trouillard. Bon, tu t'approches et tu appuies sur la touche triangle pour entrer. Attention, les abris offrent une protection équivalente à 100 points de vie. La plupart des véhicules et des machines fonctionnent de la même manière. Appuie sur la touche triangle pour sortir. Ensuite, ramasse le reste de ton équipement au bout du chemin violet et en route, flemmard. Attention, dernière étape de l'entraînement. Utilise ton bazooka pour détruire ces deux dernières cibles. Même fonctionnement que les grenades, mais le tir va beaucoup plus loin. À
Allez, exécution. Attention, tacle. Une autre bière pour Manchester. Je rate et je tire. Une bière pour Manchester. Attention, coup fort. Une autre bière pour Manchester. Ouh, ha, cantonneur. Une bière pour Manchester. For the Red Devils. Félicitations, soldat. Tu es désormais plus opérationnel que jamais. Alors, qu'est-ce que t'attends? Oh, ah, couille de l'eau. Bon, alors là, on est sur une map où il faut tuer un par un des cochons. Il y a quatre adversaires. Et puis moi aussi, j'en ai quatre. Donc, il faut vraiment marquer jusqu'au bout l'adversaire, quoi. Il est vachement passionnant et il me fait marrer ce jeu-là. Ok. Porcelain, bah. Bon. Autre bière pour Manchester. For the Gallagher Brothers. Bon, c'est à eux d'attaquer, quoi. J'aime le miaille, ma Dieu. Vive la mort! Mon œuf, bon, il a pris cher. Ok. Oups, c'est à moi. Je vais attaquer celui qui est à 50, hein, parce que c'est pas. D'un lourd.
Bon, bien vivé. J'aime Alain Delon, vendeur de parfum. Ah bah il est mort. Oh putain ! Oh merde, c'est vrai ! Permettez, je me recoiffe. Je suis très courroucé, très. Ah non, il va se reprendre de l'énergie. Ah non, ouais, il n'est pas si intelligent que ça. Ah, il vient viser oh, le monde. La culotte ou la vie. Ah oui. Une autre bière pour Manchester. Attends, lui, il est combien, lui? Bon, lui... Toi, c'est ton dernier match. Ah, oh, merde. Bon, c'est pas grave. C'est dans la faute. Force bleue. Oups, c'est à moi. Ah bah je peux en avoir deux, ouais. Ah bah oui. Attention les vilains. Tiens, à boire plein de trous. J'aime aussi Alain Delon, acteur. Plus que deux et t'as ta décoration en poil de gnou. Go. Force verte. Ah, ça fait mal ça. Encore une bière pour Manchester. Il y a 30, ouais. Attention, the shoot! Bon. Mets la main au côté. Force rouge! Ah, mince.
Beckham, je t'aime. T'auras ton nom sur un monument à Dijon. Oh, il y a de l'énergie là-bas, je vais prendre l'énergie. Ah merde. Je vous préviens, je peux être très violent. Ah quoi, violent, oui. Finalement, je préfère les bisounours. Je crois que j'avais visé à côté. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là. Je reviens tout à l'heure avec un autre jeu PlayStation. Allez, à tout à l'heure.